Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit vlog, on va aller dans la forêt de Fontainebleau. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des rochers, il y a du sable, il y a des arbres, il y a des sapins. Enfin bref, on va passer une bonne journée avec Seven. On va vous filmer tout ça, c'est parti, let's go. Je vais faire les courses pour manger ce midi. Donc je vais acheter un petit pique-nique tranquille. Et on va récupérer un colis aussi d'une abonnée qui m'a envoyé pour mon anniversaire, qui est arrivé un peu en retard. Donc au passage, je vais aller le récupérer aussi. Et après, on revient, on récupère Seven et on prend la route pour Fontainebleau. C'est parti. Donc là, ça y est, on a acheté sandwich, boisson, on a récupéré le colis. Je rentre à la maison, je récupère Seven. Et après, let's go pour la journée vlog à Fontainebleau. La team, je me voyais pas partir sans ouvrir le colis avec vous. Donc, on va l'ouvrir. Donc là, il y a une lettre que je vais lire ce soir, tranquillement posée à la maison. Des friandises, Seven. On va les emmener aujourd'hui, comme ça, lui, il sera gâté, le petit chien. Et on a un cadeau. On va ouvrir ensemble. Ouverture. Attention. Oh là 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 là, regardez la team. Regardez, je sais pas si vous voyez Dear Mama avec la photo de Seven et moi, mais c'est incroyable. L'idée, elle est top. On va mettre ça dans le salon, c'est sûr, incroyable. Merci à toi. Merci à la personne qui m'a offert ça. T'es au top, tu es génial. Bisous. Regardez la team comment ça rend bien. Ça incroyable. T'en penses quoi toi? T'aimes bien? Hein? On y va? C'est parti? On y va Seven? On y va mon fils? Bon là du coup j'ai pris un autre collier pour Seven pour son outfit, pour les photos, boisson, friandises, sac pour les caca, sa balle, sandwich. C'est parti, let's go! Le relou de service. Voilà, qui est passé du coffre à l'arrière. Va savoir pourquoi. Plus il est proche de son maître, mieux c'est. T'es vraiment un escroc, hein. Escroc. La team, on vient d'arriver. Donc là, j'essaie de me localiser sur la carte. Donc là, nous, on est là. Vous êtes ici. Et on souhaiterait aller au niveau d'ici. Le sable du cul de chien. C'est là où il y a un endroit super sympa avec des rochers, tout ça. Je regarde juste vite fait la carte et après, on y va. Là, j'ai pris un chemin, je sais pas où je vais. Je trouve que c'est très mal indiqué, il y avait le choix avec 4 chemins et j'en ai pris un des 4. Donc j'espère que ça va m'emmener là où je souhaite. On va voir, hein. De toute façon, on n'a rien à perdre, on a toute la journée. Mais après, si j'ai plus de batterie, je suis dans la merde. Déjà, le lieu, je trouve, il est sympa. Il y a des rochers, les arbres et tout. Franchement, ça rend super bien. Donc je pense qu'ici, on va faire quelques photos déjà. Mais ouais, je sais pas du tout où on va, on verra bien. Ah, la monte, pas bouger ici, pas bouger. Waouh, t'es beau, gosse, regardez. Regardez comment il est beau ce chien. En vrai, le décor de la forêt, c'est incroyable. Quand tu vois les arbres, les rochers, genre les couleurs, tout ça, ça rend super bien. Mais le problème, la team, c'est que déjà, on capte rien en 4G. Ça veut dire là, je peux même pas voir ma position, je suis perdu. Il pleut, je connais pas l'endroit, je suis dans la merde. Vraiment, je suis dans la merde. J'espère vraiment qu'on va trouver ce magnifique lieu que tout le monde conseille depuis longtemps. Bon, la team, j'ai croisé deux dames qui m'ont indiqué le chemin. En fait, il faut aller vraiment tout droit. Et moi, j'allais carrément tout derrière. Donc, j'étais vraiment à l'opposé, quoi. Mais bon, heureusement, elles ont été là. Elles ont su bien m'indiquer. Donc, normalement, là, d'ici 10 minutes, je suis au bon endroit. C'est carré. À tout de suite. Donc là, la team, je suis sur le chemin. Et à gauche, je vois que là-bas, il y a des couleurs plutôt claires. Je sais pas si vous voyez, regarde. On va aller là-bas. C'est sûr, c'est là-bas. J'en suis sûr à 100%. La team, regardez, là, je suis sur le chemin. Mais là-bas, je vois, il y a couleur sable. Donc, vas-y, on va traverser. J'espère que c'est le bon endroit. Et je vais pas me perdre. En fait, c'est le chemin retour que je doute le plus. Parce que là, j'ai pris trop de chemins différents. J'ai trop fait d'aller-retour, de trucs. C'est-à-dire, je suis perdu, là. La team, regardez l'endroit. Regardez comment c'est beau. C'est incroyable. J'aime trop, moi, cette ambiance. Déjà, là, on est tout seul. Je vois, il y a personne. Regardez le sable, Seven lui il kiffe le sable. En haut il y a les rochers. Non c'est incroyable ici. Putain il fait pas beau, j'ai la rage. J'ai la rage. Mais là on se croirait à la plage carrément, tu vois. Là on va poser la serviette carrément. Putain c'est trop beau. C'est magnifique, regardez la team. Incroyable, j'aime trop. Qu'est-ce qu'il a vu pour rester fixe comme ça là? T'avais un autre chien? Non, c'est bon. Oh là 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 là, j'aime trop. C'est incroyable. Tu creuses, mon fils? Ah là là, il va dénicher de l'argent. Tu creuses? Tu creuses? T'aimes bien, hein? T'aimes bien le sable. T'as toujours aimé le sable, toi. Hein? Ouais,
mon fils, ouais. Fais-toi plaisir. Hein, c'est pour toi qu'on est là. Hein, mon fils. Steven, viens, on leur montre comment on fait nos photos Insta. Monte. Monte ici. Monte là, là. Monte. Voilà. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Oui. Regardez la team, comment c'est incroyable. Tous les rochers là. Sen, monte. Monte ici. Vas-y, monte. Pas bouger. Attends, on va te mettre en mode portrait. Pas bouger. Oui. Viens, mon fils. On va faire de belles photos. Hein, fiston. Oui, mon fiston. Oui, mon fiston. Monte ici. Allez, monte. Monte. Oui. Descends. Oui. Monte. Monte là. Oui. Aboie. 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 Oui. Sen, va chercher le bâton. Et va chercher le bâton. Oh là là. Le fou. Le chien, il est fou. Oui. Oui, mon fils. Oh là là, il est content. Il est content. Il est beau, le chien. Oui. Va alors, avec ta tête, avec le sable. T'es beau gosse. Regardez-moi le paysage, comment il est incroyable. Là, on va faire des photos ici, c'est sûr. Ah, mon fils, on va faire des photos ici. Hein. Là-bas aussi, il y a un grand espace de sable. On va y aller juste après. Attendez, je vais faire les photos et après, on va aller là-bas. Là, Steven, comment il est trop heureux. Mais regardez ce rocher, comment il est trop sympa. Passe ici. Là, à l'intérieur. Oui, bon mon chien. Tu reviens par là? Oui. Regardez-moi ça. On est tout seul. Comment tu peux ne pas aimer cet endroit-là? Avec tous les rochers, avec ton chien. Il kiffe. Ça va bien? Mon fils, creuse ici. Creuse là, là. Là, il y a un trésor, je crois. Creuse. Allez, creuse. Oui, creuse. Oui, creuse. Oui. C'est le top. C'est le top. Je suis vraiment content d'être venu ici. C'est grave beau. C'est grave beau et lui, il kiffe. Bon, la team, je me suis posé dans un rocher. Comme ça, je suis à l'abri de la pluie. On est vraiment bien ici. On est avec le fiston, ça change pas. En tout cas, je kiffe le lieu. Donc, pour ceux qui veulent aller, c'est à Fontainebleau, dans la forêt de Fontainebleau. Il y a du sable, il y a des rochers, il y a des grandes forêts, des sapins. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Tu peux faire plein de belles photos avec ton chien. Même si t'as pas de chien, tu peux faire de bonnes balades. Franchement, c'est cool. Dommage, j'ai un temps de merde. Dommage. Mais après, c'est moi, j'ai mal choisi le jour. Mais bon, c'est comme ça. En termes de rendu avec le sable, tu peux faire de belles photos. Tu vois que les couleurs ressortent plutôt bien, surtout quand tu fais avec ton chien. Donc ça, c'est incroyable. On peut voir que l'ambiance sapin aussi, ça rend très bien en termes de couleurs. Incroyable. En plus, on a un beau modèle. C'est vrai, mon fils. Vous pouvez voir que les rochers aussi, ça rend très bien en termes de couleurs. Franchement, vous pouvez faire de très belles photos. Regardez-moi ça. Le sable, les rochers et regardez cet endroit. Je me vois grave ici cet été avec mes potes. On se pose là, à l'abri. On fait un petit feu. Ça se voit, il y en a, ils le font, ici avec les bouts de bois. On se pose, petite musique, on a l'écart de tout. Ça peut être incroyable. Franchement, l'ambiance, elle est folle. Je vous conseille vraiment de venir ici avec votre chien ou avec votre copine, votre copain, peu importe. Vous allez passer un excellent moment. Choisissez une bonne journée parce que là, il pleut, c'est dommage. Mais franchement, j'aime beaucoup, j'adore même. Non mais regardez Steven, toujours plus lui. Regardez-le, mais t'abuses comme chien. Franchement, t'abuses. Ta grosse tête là, imbécile. La team, je suis le seul à avoir une tête. Genre en mode là, le sourire, les yeux, le nez, la tête. On dirait grave un bonhomme. Mon fils, oui. Oui, mon fils. Oh là là. Bon, la team, là on fait le chemin retour. Donc j'espère juste qu'on va retrouver notre chemin. En vrai, la journée, elle s'est grave bien passée. On a vu plein de choses différentes, des paysages différents. C'était vraiment sympa, c'était une très bonne balade. Donc voilà, j'ai essayé de vous filmer un maximum de choses. Bah, c'est pas si simple que ça parce que j'ai dû faire une vidéo TikTok aussi, j'ai dû faire des photos. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé ce petit vlog. J'espère que vous, ça vous a plu. Et puis voilà, on va refaire ça sans problème. Bon la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, le lieu, il est comme ça. Je conseille vraiment Fontainebleau 77, la forêt. Donc n'hésitez pas à y aller. Nous, on reviendra quand il fera meilleur comme temps. Parce que là, il pleut, etc. Il fait froid. C'est pas très agréable. On a fait pas mal de photos, donc n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, TikTok, tu connais, Seven-du-bas-malinois, pour suivre l'aventure. A plus la team, merci d'avoir visionné. Bisous!